Salut, salut à tous et bienvenue sur DigiWorld. Ici, nous parlons du digital, donc nous nous intéressons à tout ce que nous pouvons faire à l'aide de notre téléphone ou alors d'un ordinateur. Alors, ils sont encore nombreux qui doutent encore sur la possibilité d'avoir le nouveau passeport camerounais en quelques jours. Je fais partie de ces personnes-là. Donc, cette vidéo s'adresse d'abord à moi-même et à vous tous encore qui doutez la possibilité d'avoir votre passeport en quelques jours, ou alors vous ne doutez pas mais vous ne savez pas exactement toutes les étapes à suivre pour pouvoir obtenir votre nouveau passeport. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour avoir ce nouveau passeport en quelques jours, et restez jusqu'à la fin parce que jusqu'à la fin je vais vous montrer le passeport obtenu juste après avoir fait cette vidéo pour vous montrer que ce n'est pas de la blague. Donc, avant de continuer, je m'abonne à la chaîne. Donc, vous aussi, faites pareil, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et laissez-nous aussi des commentaires d'encouragement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Alors, quand vous voulez votre nouveau passeport, comment ça se passe? Vous allez simplement aller sur le site pour vous pré-enrôler. Pour ce faire, nous allons d'abord venir créer un nouvel onglet. Nous allons taper passcam.cm. voilà, une fois que nous tapons passcam.cm, nous arrivons à cette page. Je la trouve assez attrayante, vraiment félicitations. Ensuite, vous ne devez pas commencer le pré-enrôlement, vous devez d'abord avoir les informations qui vous sont requises. Alors pour ce faire, nous allons cliquer sur informations générales passeport. Voilà. Quand nous cliquons sur information générale passeport, nous avons par exemple plus trois types de passeports, parmi lesquels le passeport ordinaire. Nous intéressons au passeport ordinaire. Et en fonction de votre tranche d'âge, vous avez des pièces à fournir. Par exemple, ici nous avons un demandeur mineur de moins de 15 ans, un demandeur âgé de entre 15 et 21 ans, un cas d'un mineur ou d'une mineure mariée, cas d'un mineur émancipé, cas demandeur âgé de plus de 21 ans. Donc vous avez plusieurs cas, mais de façon générale vous devez avoir le respicé imprimé durant la phase de pré-enrôlement, la photocopie certifiée conforme de votre acte de naissance, une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale et un justificatif de la profession ou toute autre occupation socio-professionnelle s'il y a lieu. Donc ça tourne autour de ces pièces-ci, mais pour d'autres cas, il y a des pièces qui vont s'ajouter là. Mais voilà toutes les informations que vous avez besoin en fonction de votre cas. Une fois que vous connaissez les pièces à fournir lors de la phase d'enrôlement, vous allez rentrer encore sur information générale et voir centre d'enrôlement. Voilà. Voici les différents centres d'enrôlement. Nous avons un centre par région, Yaoundé Douala. En ce qui nous concerne, c'est Douala. Vous voyez, à Douala, c'est le bureau régional EMI Immigration. Nous pouvons cliquer sur ce lien-ci pour avoir ample information. Voilà. Sur cette nouvelle page, vous avez vraiment les informations qui vous permettent de vous rendre au centre à l'immigration Police Station Douala. C'est ça ici, et vous avez ce plan de localisation qui va vous permettre, par exemple à l'aide de votre téléphone, de vous y rendre. Vous avez aussi un numéro de téléphone, vous avez même une image du centre d'immigration de Douala. Donc vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir vous y rendre. Voilà. Une fois que nous avons toutes ces informations, nous allons rentrer dans la page principale. Dans cette page, et nous allons commencer le pré-enrôlement proprement dit. Donc le pré-enrôlement, ça se fait en ligne. Ensuite, l'enrôlement se fait dans les centres d'enrôlement. Pour l'enrôlement proprement dit, nous allons cliquer sur débuter le pré-enrôlement. Nous devons lire toutes ces conditions et les accepter. Nous cliquons sur accepter et débuter le pré-enrôlement. Mmh.
Dans cette page, nous devons d'abord authentifier notre numéro de téléphone. Donc ici, nous devons mettre notre numéro de téléphone. Ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. Alors, un code nous sera envoyé par téléphone. Nous allons le entrer ici. Et une fois que nous l'avons entré, nous cliquons sur Suivant. Cliquez ici pour commencer. Dans cette page, nous avons les informations générales, à savoir le type de passeport. Nous avons plusieurs types de passeports. Nous pouvons avoir un passeport perdu, passeport volé, passeport détérioré. Donc, vous avez ces différents cas, vous allez choisir celui qui vous convient. Mais dans notre exemple, c'est le premier passeport. Ensuite, destination prévue pour le voyage. Nous allons switcher en anglais pour que la vidéo soit bilingue. Et ensuite, nous allons mettre les raisons du voyage. Dans notre cas, c'est pour les études, studies. Nous cliquons sur Continue. Ici, nous devons entrer nos informations. Il n'y a rien de compliqué là. Vous entrez votre nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance. Ces informations, il n'y a vraiment rien de compliqué là. Ensuite, vous entrez votre région. Votre département, arrondissement. Ensuite, vous entrez votre adresse email, votre pays, votre région de résidence. D'abord, c'est d'abord les informations d'origine. Maintenant, dans cette nouvelle page, vous entrez tout simplement le nom de vos parents, aussi le nom d'un tuteur si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur non, il n'y a pas de souci à ce niveau-ci. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Continuer. Et dans cette nouvelle page, vous entrez votre numéro de CNI. Alors, il y a deux formats. Il y a l'ancienne CNI, il y a la nouvelle CNI. Et c'est différent. Ces deux CNI ont un format différent. Donc, vous devez faire attention. Vous cliquez, par exemple, dans ce cas, sur nouveau format, New CNI, NC, NIC. Vous entrez votre numéro, vous entrez votre date et le lieu de délivrance. Vous cliquez sur Confirmer. Une fois que vous l'avez fait, vous confirmez vos informations. Ensuite, nous allons maintenant passer au paiement proprement dit. Nous avons plusieurs modes de paiement. Nous avons la Visa, nous avons Orange Money, nous avons MTN, Mobile Money. Nous avons tous ces cas. Dans cette vidéo, nous allons choisir MTN Mobile Money. Vous entrez MTN Mobile Money, vous entrez votre nom. Vous devez entrer correctement votre nom. Si vous n'entrez pas correctement, ça va déranger. Alors, une fois que vous entrez, vous cliquez Pay. Une demande de retrait vous sera adressée. Vous confirmez tout simplement par votre code. Ça va coûter 1110 000 plus 2150 de frais de retrait. Vous devez avoir au moins ce montant-là, c'est-à-dire 112 150. Ça s'est passé avec succès. Nous cliquons sur Continuer. Voilà. Une fois que le paiement fait, nous avons maintenant choisi la date d'enrôlement. Alors, nous sélectionnons d'abord le pays. Ici, c'est Cameroun. Ensuite, nous sélectionnons la ville. Dans notre cas, c'est Douala. Et nous sélectionnons Douala Regional Office. Ensuite, c'est la date. Les cases grises sont déjà occupées. Vous ne pouvez pas les choisir. Donc, vous choisissez les cases qui sont foncées là. Je vais choisir 19. Ensuite, vous allez choisir l'heure. Voilà les heures dont vous choisissez parmi les informations que vous avez. Nous allons choisir 14h30. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur Confirme. Voilà, nous avons les informations sur la date d'enrôlement ici. Une fois que c'est fait, nous n'avons plus qu'à cliquer sur Finaliser le pré-enrôlement. Voilà, merci. Votre application s'est passée. Nous avons déjà notre reçu de pré-enrôlement que nous devons télécharger. Nous vérifions nos informations et nous téléchargeons ce fichier et ensuite nous l'imprimons en couleur. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Hein. Nous allons venir ici ouvrir le fichier.
Voilà, voici le récépissé de pré-enrôlement que nous allons imprimer. Voilà, nous avons fini avec la procédure et nous avons fini avec la procédure. Donc, nous avons fini avec le pré-enrôlement. Maintenant, nous devons aller certifier nos pièces requises à la sous-préfecture ou à la préfecture et nous rendre au centre d'enrôlement pour finaliser l'enrôlement. Une fois que l'enrôlement s'est bien passé, c'est maintenant là que nous avons 48 heures pour pouvoir retirer notre nouveau passeport. Donc, 48 heures, c'est après l'enrôlement. Si vous arrivez au centre d'enrôlement et vous avez un problème de papier, vous allez aller résoudre ce problème afin de venir finaliser l'enrôlement. Et l'enrôlement, c'est maintenant les 48 heures, c'est après que votre enrôlement se soit passé avec succès. Je pense que c'est bien clair. Donc, n'ayez plus peur. Je pense que moi aussi, je n'ai plus peur. Dans cette même vidéo, vous avez le passeport que j'ai retiré après avoir passé toutes ces étapes-là. Vous avez les images, vous avez même une vidéo du nouveau passeport. Donc, vous n'avez plus à douter. Tout ce que vous avez à faire, vous connaissez tout ce que vous avez à faire. Donc, c'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette même chaîne, vous allez trouver d'autres vidéos. Par exemple, voici une vidéo qui vous montre comment sauver vos contacts à vie, comment retrouver une musique que vous aimez, comment transférer du crédit vers tous les réseaux, comment gérer ses opérations bancaires, comment obtenir gratuitement son bulletin de solde, comment obtenir son attestation d'immatriculation, comment gérer un problème de mot de passe oublié sur Windows, comment télécharger les statuts de vos contacts sur WhatsApp, comment configurer les réponses automatiques. En fait, vous avez là un ensemble de vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc, si vous êtes intéressé, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de liker ces vidéos. Merci de laisser des commentaires d'encouragement. Vous pouvez aussi laisser vos questions en commentaire. Nous sommes aussi ouverts aux suggestions des vidéos. Ce sera la bienvenue. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt sur DigiWorld pour une nouvelle astuce. Je vous remercie.